Mine. Alors, vas-y, Kiki, fais-le voir. J'ai pas mon appui dans la voiture. Elles vont où, là, à ton avis, là? En sud. La plein sud, là. Un petit gars de chez nous qui va aller représenter notre patrimoine à Lille, à un congrès européen. Tu te rends compte, Kevin, la chance? Qui représente des milliers. Ouais. Personnes concernées, des milliers, même peut-être des millions, hein, parce qu'on est quand même du monde. Hein. C'est l'Europe qui décide de tout, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, mais que ce soit au niveau... C'est un des plus gros problèmes que je compte évoquer. Voilà, c'est l'Europe qui décide à notre place. Les traditions en France sont pas les mêmes en Espagne, en Portugal... Chacun a sa propre tradition. Romanie, en Allemagne... Il faut que l'Europe reste à sa place et elle laisse les États décider de leur propre loi. Bonjour madame. Alors je vous appelle, on a été mandaté par le ministère de l'Europe des Affaires étrangères pour vous contacter par rapport à la grande conférence sur l'avenir de l'Europe qui va se dérouler en septembre prochain. Je vous appelle à propos des conférences de l'avenir en Europe afin de vous inviter à y participer. Bah c'est une chance à saisir, hein, honnêtement. Acceptez-vous de participer à cette conférence citoyenne régionale sur l'Europe? Si tout le monde dit de toute façon rien ne changera, bien sûr que rien ne changera. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup madame de votre accueil et je vous souhaite une excellente soirée. Quand j'ai été contactée pour participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe, j'étais tranquillement dans mon canapé devant une petite série. Au début, j'ai vraiment pensé que c'était un gag. Alors j'ai fait mes petites recherches. Quelle Europe voulons-nous dans 10 ans, dans 15 ans? En France, nous organiserons des débats citoyens dans chaque région et nous, responsables politiques, devrons en tenir compte pour réformer l'Europe. Le président a promis de tenir compte de notre avis. Mais bon, comment est-ce que moi, Élise Jimenez, 21 ans, petite habitante de l'Oise, je pouvais donner un avis sur comment changer l'Europe? J'en ai parlé avec mon papy et ma mamie et ils m'ont dit « Vas-y Élise, fonce !» Quand ils étaient petits, juste après la guerre, si on avait demandé aux gens s'ils voulaient faire l'Europe avec les Allemands, pas sûr qu'ils auraient tous dit oui. Du coup, c'est les élites qui ont fait l'Europe. Et aujourd'hui, on nous demande enfin notre avis, à nous. Je suis d'abord allée à la conférence dans ma région. Ensuite, j'ai été tirée au sort pour participer à l'étape nationale à Paris. Je me suis même retrouvée à présenter les résultats au ministre. Et maintenant, me voilà à Bruxelles pour vous raconter cette expérience que des centaines de Français ont vécue. J'en reviens toujours pas. On est un peu devenus des eurocrates quelque part. On a pris l'avenir de l'Europe entre nos mains. Mais bon, au début de l'aventure, il y avait quand même un petit problème. J'y connaissais rien, mais alors rien du tout à l'Europe. Élise, ça te dit qu'on révise pour la conférence européenne? Bah oui, tiens, vas-y, assieds-toi, on va te bombarder de questions. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Comme ça, on va apprendre un peu aussi avec papy et mamie. Alors, du coup, faudrait commencer par le comité ou le Parlement? Le Parlement européen, peut-être? Il investit et il contrôle la Commission. Ça, c'est des sujets que ça, je sais pas trop, je connais Après, pas. Après, avec les entités, ouais, c'est... Après, bah, c'est des choses... Bah, par exemple... Internes. Donc ça serait un peu le comité des représentants permanents. Ce serait un peu ceux qui... ceux qui sont tout le temps en place. Ouais, qui bougent pas et c'est un peu aussi Macron, ceux qui ont organisé cette conférence. Non, Macron, il y va que de temps en temps. Oui, il y en a qui restent sur place. Oui, il y a des députés qui vivent là-bas. Qui vivent là-bas. Et vous pensez dans cet organigramme que ça va être le comité des représentants permanents ou le conseil de l'Union européenne justement qui va... C'est le permanent. Qui va créer... Non, mais qui a voulu solliciter cette conférence européenne. Là, ou c'est plutôt le Conseil européen qui a ordonné au Conseil de l'Union européenne de faire cette conférence-là. Je crois qu'il faut leur poser la question. Exactement, c'est pour ça qu'Élise est là pour cette conférence. Voilà. T'as des projets à donner à cette conférence ou pas? Quelques petites idées, oui. J'ai pensé à la question écologique surtout. Ça devient de plus en plus important de protéger. Parce que sans la planète, de toute façon, on n'existerait pas. Du coup, tu penses que la conférence d'Europe, ça va changer quelque chose? Je pense que c'est bien pour justement traiter avec des gens normaux comme nous. Enfin, on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans. On est des gens qui subissent. Le régime. Qui, voilà. Tout à fait d'accord. Le
l'Europe, à la limite, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas aujourd'hui, l'idée, c'est de s'engager et de dire aux gens, bon, qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez transformer? Vous avez le droit d'avoir un avis, de faire une proposition. Dites-nous. Alors, on va te faire un peu un point complet, notamment sur le recrutement. Normalement, tu as eu dans ton dossier ce petit document, ouais. Servan. Dans les panels qu'on fait en France, on tire au sort. Ça, on l'a jamais fait dans toutes les régions de France. Beaucoup de citoyens, c'est 30 à 50 par région. Et il y a une méthodologie, c'est un institut de sondage qui fait ça. Le prestataire est vraiment plutôt confiant sur la représentativité. Et l'appel avec ses critères de genre, ouais. Répartition géographique, etc. Il demande aux gens s'ils sont intéressés pour participer à ces 3 jours. Ouais. Et t'as un taux d'intérêt de 60%. Ouais, entre 40 et 60% pour certaines régions. Pour l'Europe. Donc on est vraiment surpris justement de l'adhésion des gens sur l'Europe. Mais il faut que dans l'équilibre en général, on ait des gens qui ne soient pas que pro-européens. Oui, bien sûr. Il faut qu'on ait des eurocritiques aussi. Allez, peu. Merci. Donc du coup, tu vois, Kevin, tu présentes, tu vois, ce que tu vas présenter, c'est, regarde, c'est ça, c'est, voilà, c'est mon moment de partage à la hutte, tu vois, c'est pas que la chasse, tu vois, c'est la convivialité, on rentre à la hutte, voilà. Regarde, on n'est pas bien, là. Ouais, franchement, pourquoi ils veulent nous retirer tout ça, quoi, hein? Ouais. Regarde là-bas, il y a même un signe de poser. Comment tu peux expliquer, tu peux expliquer ça quand t'es dans la hutte la nuit, toi, t'as plus un bruit, t'as que l'obscurité devant toi, tu gardes, c'est pas beau, regarde, les lumières du Crotoy, les lumières de Saint-Valéry-sur-Somme, la baie de Somme, tu te rends compte? Aux yeux de l'Europe, qu'est-ce que ça représente? Il va falloir que tu parles de tout ça, Kevin. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de citadins qui ne comprennent pas. Donc. Mais de toute façon, tous ces technocrates, ces bureaucrates, il y a une majorité de personnes qui n'ont jamais mis les pieds à la campagne. C'est des personnes qui sont toujours restées dans des grandes villes et qui ont une image un peu en décalage. En décalage, je dirais, c'est le décalage complet avec la réalité. Je m'appelle Kevin, j'ai 31 ans, je suis maçon, je viens d'un petit village de la Somme, juste à côté de la baie de Somme. Il y aura des écolos, il y aura des personnes qui auront des idées différentes des tiennes, mais je pense que ça touchera, même si c'est une minorité de personnes, j'espère qu'il y a des personnes qui voudront peut-être un jour découvrir un peu notre mode de vie et dire ben, je me suis trompé, tu vois. Je sais pas si vraiment ça va être utile, mais bon, j'ai une chance, je saisis l'opportunité. Quoi. Bon, Kevin, voilà. Allez, Jean, Greg, à la conférence. Hein. Ouais, à ta conférence et puis que ça nous apporte et on attend que tes retours rapidement, je le dis. J'espère. On veut un compte-rendu détaillé. Bonne journée, commence par un bon petit déjeuner. Je m'appelle Laurent, je suis chauffeur routier depuis 35 ans. J'habite dans les Hautes-Alpes, dans un petit village qui s'appelle Aubessagne. L'Europe, le principe est bien. L'union fait la force, le principe est très bien. Mais l'Europe qu'on nous propose, c'est une Europe de technocrates. C'est-à-dire, ils votent des lois qui ne les concernent pas. Nous, ici, ça nous va très bien, notre mode de vie. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de pollution. On entend le coq. Ça, les néo-ruraux, ils n'aiment pas trop, mais bon. Je ne changerai pas pour tout l'or du monde. L'Europe, ça allait trop vite. Ça a été l'Europe des 6, l'Europe des 12. Il fallait faire une Europe des 12 forte. Et là, les derniers pays qui sont rentrés, ça a été voilà, ils ont accroché les wagons en catastrophe. Et eux, ils sont juste là pour tirer la sève. Mais il ne faut pas rêver. Le jour où la Chine viendra leur proposer quelque chose de mieux, ils se barreront. Et puis c'est tout. Et puis nous, on restera à payer les pots cassés. Donc voilà, il ne fallait pas qu'ils fassent une Europe aussi grosse. Ça n'a rien de vouloir être gros. Il faut être comme moi, sensuellement enrobé. On va négocier avec l'Europe. Hop là, il y a le petit escargot là. Moi, je me mets là. Allez. Ils m'ont appelé, je me suis dit, le sujet est intéressant, autant le faire. Pour une fois qu'on nous demande notre avis, ça serait bête de ne pas le donner, quand même.
Je m'appelle Cynthia Torossian, j'ai 27 ans, j'habite à Paris et je travaille dans la communication. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont européens. Enfin, ma mère, elle est belge, mon père, il est suédois, donc je me sens quand même européenne au sens large de l'Europe, peut-être plus que d'autres personnes, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas pour ça que je me sens pas française non plus. Je compte sur toi pour quand même, voilà. Dire ce que tu penses, faire attendre ça, parce que c'est rare et ça arrive qu'une fois dans une vie de vraiment peser au niveau politique, en fait, presque. J'essayerai de faire au mieux. C'est pas le moment d'être timide. Je suis un peu sceptique de ce que ça pourrait donner parce que, bon, enfin, on a eu la convention citoyenne pour le climat et je trouve que c'est un sujet quand même, c'est un sujet tellement important et même là-dessus, ça n'a pas donné grand-chose. Donc je pense que sur l'Europe, qui intéresse encore moins les gens, j'ai peu d'espoir quand même de voir des choses concrètes aboutir. Après, peut-être que je me trompe et j'espère me tromper, mais on verra bien. On prend des risques. Il y a le risque que les gens nous disent « c'est décevant, qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous ne nous avez pas vraiment écoutés, vous n'avez pas tenu compte. » Donc on met de l'engagement personnel là-dessus aussi, j'en mets. J'espère que ça bougera l'Europe. Le transport routier, jusqu'à une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'il y ait les pays de l'Est qui arrivent dans le marché de l'Europe, c'était bien parce qu'il y avait une régulation des tarifs. Donc ça a évité le dumping, justement. Depuis qu'il y a les pays de l'Est qui sont arrivés, ils ont pris tout le travail à l'international. Nous, on est restreint à faire que du national. Donc c'est petit à petit, ils sont en train de nous bouffer. Ça y est, c'est le premier jour, j'arrive à Lille. Moi, je participe à la consultation régionale du Nord. Mais il y en a aussi dans toutes les 17 autres régions. À Toulon, Toulouse, Rennes, Aubervilliers et Strasbourg. Ils m'ont dit au téléphone qu'on était plus de 800 à participer dans toute la France. Je suis motivée à fond pour changer l'Europe. Mais bon, d'entrée de jeu, j'ai un petit problème avec la porte. Allez. Ok. Ok. Ça ne s'appelle pas. Merci. Ils ont mis des post-it pour raconter nos meilleurs souvenirs sur l'Europe. C'est vraiment génial comme concept. Je vais écrire un petit mot. J'ai donné ma pierre à l'édifice. Bon, moi, un bon souvenir, c'est pas pour moi ce côté-là. Bonjour. Élise, enchantée. Vous êtes tous citoyens, du coup ? Super. Donc vous, du coup, vous êtes Marie. Eh bien, moi, je suis un facilitateur. D'accord. Okay. Je facilite la parole. C'est beau à dire. Je vais là-bas dans l'idée de défendre la chasse, car l'Europe est un gros problème dans ma passion. Enfin, du moins, l'État nous dit toujours que c'est à cause de l'Europe. Bon, ça les arrange bien pour ne pas avoir à justifier. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Cette conférence, c'est un débat que vous aurez entre vous. On ne va pas s'en mêler. On apprend ensemble, hein. On verra ce qui ressort. C'est un exercice, je l'ai dit, inédit. On dit souvent ça dans les discours, hein. Mais là, je crois que c'est vraiment vrai. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous. Le but de ce premier jour de consultation, c'est d'expliquer comment on voit l'Europe. Ce qu'on trouve de bien et ce qu'on trouve de moins bien. Et on nous demande de dire, sur une échelle de 1 à 10, quelle image on a de l'Union européenne. Donc on va se mettre là, hein, sur la largeur de la salle.
Bonne image de l'Europe, très bonne. Très mauvaise. Donc là, c'est 3. On est plutôt... 0. Donc le 0 est... Alors, 0. Moins 1. Voilà, super. Je veux pas vous stigmatiser. Hein. 0, 3. Vous êtes à quel niveau? Au milieu, 3. Et la question, là, c'est avez-vous une bonne image de l'Europe? Donc là, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux vous demander un peu pourquoi finalement vous positionnez Parce que l'Europe, elle font des lois pour détruire les traditions françaises. Cette année, on a perdu toutes les chasses traditionnelles à cause de l'Europe. On nous interdit de chasser les oies en février à cause du décret 79-409 qui nous interdit de chasser les oies aux premières montées d'oiseaux. Alors qu'en Hollande, en Norvège, en Danemark, on les détruit avec des subventions de l'Europe. Et en Hollande, c'est une espèce protégée. Okay. Donc il n'y a vraiment, rien à comprendre. Pas de positif du tout par rapport à l'Europe. Non, pas du tout. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc si j'avance... De votre point de vue, quel est le rôle des médias par rapport à cette image de l'Europe? Alors les médias donnent tous une bonne image de l'Europe, ils sont même payés pour ça aujourd'hui. Ah non, c'est pas rigolé, c'est la vérité. Ils sont encouragés et payés pour ça. Forcément, les médias français sont aux mains de la finance. Et malgré tout, ben, l'Europe, elle est un peu dépendante de la finance aussi. Hein. Bon, ben voilà, je crois que c'est assez clair. Bon. En général, l'image de l'Europe, c'est une image très froide, très procédurière comme ça. Et finalement, on ne se projette pas du tout non plus dans cette Europe-là qu'on nous présente à la télévision. Ma famille a une vision très très bonne de l'Europe. Il faut savoir que nous, on est une famille d'immigrés. Donc on est arrivé en France dans les années 2000 et c'est vraiment une très grande famille. On est bien une centaine à avoir immigré jusqu'en Europe. Et on sent que c'est un changement de vie complètement différent. Pour vous donner une idée, j'ai encore des grands-parents qui sont restés au pays en Chine. Et là-bas, la vie est complètement différente, c'est bien plus difficile. Il faudrait savoir si on nous demande l'opinion en tant qu'Européens qu'on a de l'Europe, ou si c'est comparé au tiers-monde ou à tous les autres. Et évidemment, là, c'est totalement différent. Et bien sûr que tout le monde va dire qu'il vaut mieux vivre ici qu'en Chine. Bah oui, bien sûr, il vaut mieux vivre ici qu'au Mexique, bien sûr. Nous, on sait que l'Europe peut faire 100 fois mieux. Il ne faut pas s'amuser à dire « Ah oui, mais... » Non, non, mais ah ouais, bon. Tranquillement, on n'a pas... chacun a le droit d'avoir son opinion et je propose de ne pas commenter les opinions des autres. Mais... Dès le début, il fallait donner un petit peu les règles du jeu. On peut ne pas être d'accord, on a des histoires différentes, une sensibilité à l'Europe qui est assez différente et effectivement, le Français d'origine asiatique qui a immigré en relatif trouve l'Europe absolument formidable, là où le Français qui a toujours connu l'Europe finalement un regard plus nuancé. Je souhaiterais une vraie Europe, une grande Europe. Nos concurrents, ce sont les Chinois, les Américains. Et au niveau social, il n'y a pas d'Europe non plus forte. Quand l'Italie a eu des problèmes de Covid au début, personne n'est venu à son secours. Quand il y a des réfugiés qui tentent d'arriver, on a pris des exemples sur des bateaux dans la Méditerranée, tout le monde se battait pour savoir si on les prenait ou pas. Les frontières de l'Europe ne sont pas contrôlées, donc on a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'égoïsme. Et donc je crois fortement en l'Europe depuis très très longtemps, mais je me positionne en challenger. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire pour que cette Europe soit une vraie réalité et soit un vrai bloc, deuxième puissance mondiale en principe. C'était quand même un engagement assez fort de prendre 3 jours, poser un jour de congé. Voilà, donc on n'a pas non plus envie d'être là juste pour faire joli dans le décor et dire voilà, on a parlé aux citoyens. Il y a quand même une envie vraiment de rentrer dans le vif du sujet. On va se répartir en groupes. On va être dans des salles, on va être environ 8 citoyens autour de la table avec un facilitateur. 2 salles vont traiter la première question, quel est l'impact de l'Union européenne sur votre vie. 2 autres salles vont traiter la question, en tant que citoyen français, vous sentez-vous européen? Franchement, l'Europe, elle n'impacte pas particulièrement ma vie. À part éventuellement en tant que maman, parce que pour des questions de mobilité, effectivement, Erasmus et compagnie, c'est plus simple pour tout ce qui va être mobilité pour mes enfants dans le futur, pour le travail, pour l'enseignement, etc. Effectivement, pour les voyages, bon, j'ai pour les thunes pour voyager, donc je ne voyage pas. On ne perçoit pas forcément ce qui se passe dans notre vie personnelle. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me change pas grand-chose, l'Europe.
Je vois des idées sur le papier, par exemple sur tout ce qui va être traçabilité, des cosmétiques, de l'alimentation, de l'agroalimentaire, du travail, des enfants, des droits des femmes. Et à côté de ça, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement suivi. Dans certains pays de l'Est, au niveau de ce qui va être droits des homosexuels, LGBT ou des femmes, c'est pas suivi. C'est peut-être possible aussi que ce soit par rapport à l'histoire et à l'évolution des gens. On est un pays, je pense, qui a évolué très vite par rapport aux autres. Et eux qui ont plus de mal à se remettre, par exemple, de la guerre ou des choses comme ça, qui sont un peu plus conservateurs, je pense que c'est le fait que, justement, grâce à nous, ils peuvent se dire, voilà, faut qu'on fasse bouger les choses. Je n'ai pas honte de dire, je suis français de souche. Alors, ah non, ça ne se dit pas, c'est... Quoi, ça se dit pas, c'est vrai. Il y a une chose que je voulais ajouter. Oui. Vous pouvez juste me rappeler votre prénom. Hugues. Merci. Je pense que la France était une grande puissance jusqu'à la fin du 19e siècle, qu'elle n'est aujourd'hui qu'une puissance moyenne, et que l'Europe peut être un moyen de lui redonner un petit peu cette grandeur. C'est ce qui m'intéresse. La France a un rôle immense à jouer, mais pour ça, il faudrait une chose, c'est que les Français soient un peu plus fiers de leur pays. Je m'appelle Antoine Louis-Marie Buffin. Je suis agent immobilier à Paris. J'habite à égale distance entre l'asile psychiatrique de Sainte-Anne et la prison de la Santé. Mais j'ai réussi à n'aller d'aucun côté, jusqu'à présent du moins. Nous avons quand même une littérature d'une très grande richesse. Bien que notre président ait dit qu'il n'y avait pas de culture française. Ça relève de la médecine de sortir des choses comme ça. Il y a une civilisation européenne parce que les fondements sont les mêmes. C'est la chrétienté. Pas compliqué à comprendre. C'est la chrétienté. Voilà. Pour la plupart des pays européens, des racines gréco-latines, c'est tout. Vous n'en sortez pas. La philosophie, ce ne sont pas les Ouzbeks qui l'ont inventée. Hein, ce sont les Grecs. Non, pour moi, cette civilisation, c'est mon histoire. J'y adhère pleinement et je n'ai pas envie d'en changer. C'est tout. Voilà. Et pour moi, ce sont des remparts. Alors moi, si on me dit le Kosovo, compte tenu du fait que la majorité des Kosovars sont des musulmans, rentrent dans l'Europe, très bien, sont des gens tout à fait aimables, mais on voudrait quand même la polygamie. Je dis niet, c'est tout. Je dis niet, c'est tout. Hein. Que les gens aient des coutumes, oui. Mais qui est un tronc commun. Et donc pour vous, ça serait quoi ce tronc commun? C'est quelques points indiscutables qui vraiment permettraient de par exemple, préserver. Le respect d'autrui. On peut presque reprendre les 10 commandements. On avait formé les facilitateurs pour leur donner les règles du jeu. C'est faciliter, vous ne transformez pas en fait les idées des citoyens. Vous écoutez, vous répartissez la parole. Est-ce qu'on se sent européen? Oui. Et toutes les personnes qui étaient dans le groupe dans lequel on était, c'était on est européen. Oui. Et on est européen. En tant que Français, est-ce que vous vous sentez européen? C'était ça la question. Oui, c'était ça. Oui, non, mais du coup, on débat. Bien sûr, non, mais c'est bien. Le but du jeu, c'était pas d'écouter uniquement le leader d'opinion. Donc c'était la personne timide dans le coin, de lui donner tout autant la parole. Là, aujourd'hui, le fait qu'on puisse traverser les différents pays d'Europe, aller en Belgique, en Allemagne, voire plus loin, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, c'est quelque chose qui nous semble important. D'un côté, c'est une bonne chose, mais de l'autre côté, c'est une mauvaise chose. Parce que c'est la porte ouverte à tous les trafics. La circulation du virus, s'il y aurait eu des frontières, elle aurait été beaucoup moins importante. Il y a des pour et il y a des contre. C'est vrai. L'Union européenne, c'est immense. Pendant la conférence, j'ai appris que ça faisait plus de 4 millions de kilomètres carrés. Sur les billets, on a la carte de toute l'Europe, même les îles qui sont très loin, en tout petit. On a la Réunion de Dante. Ok, maman. Tu n'as pas appris quelque chose, alors qui dit que nous les sommes dans l'Europe? Là, il faut bien garder avec la loupe pour voir où c'est la Réunion, ils trouvent dans l'Europe. En tout cas, nous sommes sur le billet, bien sûr. En tout cas, ce que Mamie voit, c'est que nous les dans l'Europe monétaire, pour le coup. Exactement. Ça, au moins, c'est déjà ça. Mon trésor n'est pas là. Il faut que l'Europe considère notre petit département, la Réunion, comme étant un modèle de dignité. Tout ça, d'origine, tout ça de monde que les différents et qui arrivent à cohabiter, qui arrivent à travailler ensemble et qui arrivent à faire en sorte que nous ayons une solidarité qui naît entre nous. Tout ce qu'on veut faire de l'Europe, on l'a déjà fait à La Réunion. Exactement. Mais La Réunion, elle est là. La Réunion, elle est là. Voilà, La Réunion.
Non, mais le fait qu'il y ait des exemples de contenu à poster, c'est pas possible. Enfin, ça indique, non, mais ça indique une démarche à suivre. Taguer les comptes officiels. On nous a distribué une feuille de route sur comment se comporter pendant la conférence, qu'il fallait avoir son masque correctement pour les photos et montrer que le gouvernement fait bien les choses. Donc c'est vrai que ça nous a un petit peu échauffés. Et non, mais vérifier que les gestes barrières sont bien respectés. C'est-à-dire soit c'est une conférence où vraiment on est censé représenter les citoyens, ou soit on est là en fait pour jouer de faire le jouet de Macron. Mais moi j'ai quand même beaucoup de questions sur la sélection. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Quatre étudiants qui sont tous passés par prépa. Ouais. Deux Sciences Po. Bizarre. J'ai entendu personne défendre clairement. Non, moi je suis anti-européen. Personne n'a tapé du poing pour dire tout ce qui se dit aujourd'hui. Je suis contre. Je m'appelle Romain, j'ai 22 ans, j'habite en Picardie et je suis actuellement en école d'ingénieur. Alors on est beaucoup à avoir fait des études supérieures, beaucoup sont bac plus 5 et on a peur que une certaine partie de la population ne soit pas vraiment représentée. Peut-être parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel ou peut-être qu'ils n'ont pas été convoqués, donc ça on le sait pas, on se demande. Tu veux te mettre là comme ça on fait un binôme? Ok, je te tutoie directement parce qu'on est une famille là. C'est mieux, c'est mieux. On fait tous partie de la même famille là. Déjà ça me saoule alors. Ouais, c'est compliqué. Hein. La non-connaissance du fonctionnement de l'Europe t'empêche d'adhérer totalement. Et surtout, peu de connaissances, c'est du négatif. Chaque fois que l'Europe communique, c'est pour des contraintes, c'est pour des. Tu vois, c'est toujours dans du négatif. Et on n'a aucune communication sur du positif. Donc, si on ne nous dit pas ce qui est bon, on ne va pas l'inventer, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire le peu que tu connais. Le peu de connaissances. Alors, d'où viennent tes connaissances? Eh bien, l'euro, la monnaie. Ouais, ça t'a. Mais ça m'a enlevé du pouvoir d'achat depuis qu'on est à l'euro, qu'on est passé à l'euro. Ça dépend pourquoi? Ah, pour tout. Regarde, tu rentres dans une boulangerie ou une pâtisserie. Ouais. Avant, à l'euro, tu rentrais un millefeuille. Ouais. C'était combien? 6 ou 7 balles, même pas. Ouais. Là, c'est 2,50€, ça fait presque 20 balles. Je te garantis que si c'était en francs, ils ne se vendraient pas un gâteau en France. À 20 balles, ils ne se vendent pas un gâteau. Alors moi, je suis boulanger-pâtissier, ouais. Ça tombe bien. Oui, oui. Eh bien, tu le vois. J'ai eu le passage à l'euro, moi, à ma boulangerie. Oui. Et donc, j'ai converti exactement les prix. Le franc a été converti exactement à l'euro. Toi, tu l'as peut-être fait, toi. Si on était resté au franc, ouais. Tu crois qu'aujourd'hui, l'éclair, il serait à 19 balles? C'est difficile parce qu'avec l'inflation, avec. Mais. À 19 balles, tu en vendrais plus qu'avant? Non. Non, voilà. Qu'à 2,50€, tu les vends. Donc, ça nous enfume. Voilà, ça nous enfume. Ok. Ouais. Mais j'ai un contre-exemple, si tu veux. Ouais, ouais, volontiers. Il y a 20 ans, une télévision, ça valait 1000 balles. Ouais. Aujourd'hui, avec 250 balles, t'as un écran de 1,50€. Tu crois que sans Europe, ça aurait pas été pareil? Je sais pas. C'est juste pour te dire, il y a des trucs qui ont augmenté et il y a d'autres trucs qui ont baissé. Mais la télé, sans l'euro, ça aurait quand même baissé les prix. Ouais, parce qu'ils s'en vendent plus. Mais je pense que sur l'ensemble, il y a un lissage quand même. Moi, c'est l'impression que j'ai. Mais non, mais c'est vrai qu'il était l'histoire de l'électroménager, même les voitures, ça va vachement baissé. Maintenant, 10 000 euros, ça fait 65 000 francs d'avant. Bon, merci Laurent. Eh bien, merci à toi, bonne continuation. Ben, à plus. Hein. Bon, on va aller boire le café. Dans la vie de tous les jours, on ne la voit pas, l'Europe. C'est que sur des gros trucs qu'on n'y comprend rien, parce que c'est compliqué. Alors que peut-être que c'est... Je me trompe, mais il faut qu'ils disent. Qu'ils embauchent un bon communicant à l'Europe. Il y a un vrai écueil à dire, mais qu'il y a un manque de communication. C'est, je veux dire, je suis désolé, l'information est liée. Les gens, à un moment donné, il faut être moteur de sa propre recherche aussi. Je suis sûr que si on t'envoyait des trucs dans ta boîte aux lettres, tu les lirais même pas. Enfin, il y a plein de gens qui les liraient même pas. Donc, je veux dire, les gens, c'est aussi à eux de faire un effort d'aller chercher l'information. Et pour toi, c'est quoi le frein au fait que les gens... Enfin, c'est quoi qui empêche les gens d'aller chercher cette information? Elle n'est pas assez accessible. T'habites où? Moi, j'habite à Montpellier. À Montpellier même? J'habite. C'est le président de la métropole, c'est Michael Delafosse. Et le premier adjoint à l'économie ou à l'environnement? Non. Peu importe, même si tu le sais, il y a combien de gens qui le savent? Donc, les gens, ils ne savent même pas à Montpellier qui est le vice-président à l'écologie. Comment tu veux qu'ils s'intéressent à l'échelle de l'Europe?
Popo, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel. Bah, c'était super cool. Je suis tombée avec un peu plus de personnes un peu plus vieilles, tu sais. J'étais la seule jeune. Donc, du coup, c'était bien. T'as vu des BG? Non, il n'y en a pas. Tristement, il n'y en a pas du tout. Même le mec de 31 ans, il est moche. Oui. Alors, je t'en reparlerai plus tard, hein, de ce thème. Ok. Hein, okay. Mais par contre, si, il y en a un qui est pas mal et tout. Bon, enfin, je te raconterai plus tard ce sujet-là. Okay. Bisous, ma popo, je t'aime Bisous, fort. Bisous, Nana, je t'aime. Le but, c'est de voir à quoi ça va servir. Qu'est-ce qui va être pris en compte, qu'est-ce qui va être retenu. Après, comme ça ne représente pas tout le monde, enfin, je sais pas. Il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas de petits gens. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le... C'est, on dirait presque que c'est qu'une classe moyenne. Il n'y a pas d'élite, mais il n'y a pas de petites gens. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Donc moi, je trouve qu'il manque la partie ouvrier. Des ouvriers, il n'y en a pas. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au RSA, s'il y en a qui sont chômeurs, s'il y en a qui sont... Oui, ça, en revanche, il n'y avait pas. On ne sait pas trop. Bon, après, 40 personnes, il ne peut pas y avoir tout le monde non plus. Non, il n'y a pas beaucoup. Mais bon, 40 fois 18, quand même. Oui, bon, par rapport à 66 millions, c'est pas grand-chose. Le deuxième jour de la conférence, on nous demande de nous projeter, d'imaginer quelle Europe on veut pour 2035. Ça me fait drôle de me dire que j'aurai 35 ans. Il y a là trois planches de photographie. Et donc, avec ces photos, vous essayez de voir sur les photos une qui vous paraît significative à un titre ou à un autre, les objectifs que vous voudriez fixer aux institutions européennes à 2035. Maintenant, on vous demande de rêver. Et c'est à partir de votre rêve qu'on va faire une Europe. Ok, qui se lance? Kevin? Alors là, 61, qui représente pour moi le Brexit. Donc, c'est un espoir pour la France. Brexit, espoir pour la France. Pour enfin avoir le Frexit. Car pour moi, l'Europe, c'est une totale aberration dans la forme actuelle à laquelle elle est. Je t'ai demandé, on construit sur ce que tu... Ce que je vais y venir après. Mais là, tu rêves. Je vais y venir après. Mais okay. Là, oui, c'est un rêve, hein, qu'on sorte d'Europe. Hein. D'accord. Et ensuite, le 5, l'économie. Que l'Europe reste à son idée de base et s'occupe que de l'économie et arrête d'emmerder les gens et s'occupe vraiment que de ça. Je rejoins Kevin sur certaines choses, c'est-à-dire que actuellement, on perd, chaque État européen perd de sa souveraineté au profit de l'Europe. Et je trouve que pour certains domaines, alors je ne suis pas expert, mais en tout cas pour certains domaines, il faut qu'il y ait une réappropriation de la souveraineté des États au sein de l'Europe. J'ai pris la 98, qui est... Alors, qu'est-ce que c'était la 98? C'était le drapeau des droits, droits LGBT. C'était l'idée d'avoir vraiment des droits humains partagés et des valeurs humanistes partagées au niveau européen. D'accord. Chacun balaye devant sa porte. Mais la substance même du christianisme, je vais pas reprendre les propos de Chateaubriand, c'est le génie du christianisme, voilà. C'est tout. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, il faut qu'on fasse profiter les autres. Bah, je ne veux pas les contraindre. On peut leur montrer quelque chose et ils risquent de dire, ah ben, on est d'accord. Donc, c'est bien sur un sujet d'adhésion et pas sur un sujet de contrainte. Ah, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, sur l'Union européenne, on a quand même, malheureusement, tendance, ou souvent, voir la contrainte et non pas l'adhésion. C'est ce que les gens ressentent. Vous avez fini? Presque. Oui. Sauf si vous voulez faire des ajouts, des... Déjà, c'était un bon début. Le défi de la synthèse, quand il y a le foisonnement, qui est notre aspiration, c'est ce qui nous inquiète. Si on a trop de matière pas synthétisée, il va nous appartenir de faire cette synthèse. Et vraiment, ce qu'on voulait, c'est que ce soit plutôt les citoyens qui fassent cet exercice-là. Donc là, effectivement, c'était un petit peu les temps d'angoisse.
tout ce qui était les négociations de COP, etc., pour les objectifs de réduction des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, on adaptait les objectifs en fonction de là où on était les pays et les difficultés aussi que les pays pouvaient rencontrer, en ayant une enveloppe globale. Et chacun, enfin les pays qui ont le plus de moyens et qui sont déjà plus avancés, peut-être peuvent faire plus d'efforts, tandis que les pays qui sont moins avancés, on leur donne plus de temps pour assumer une trajectoire. On pourrait le faire aussi à l'échelle européenne, proposer différentes vitesses d'adaptation. Le sujet est tellement vaste que... Et complexe. Enfin, je veux dire, là, c'est extrêmement complexe. Non, mais est-ce qu'on peut peut-être écrire des choses comme ça, au moins, oui, on aura voilà, des choses à proposer. L'objectif, ce serait de réduire la... Enfin, plutôt... arriver à un mix énergétique, enfin une part des énergies renouvelables ou décarbonées dans le mix énergétique de X%, avec des modalités différentes en fonction des pays, en fonction des contraintes des pays. D'accord. C'est-à-dire comme ça, on a un gros gâteau et puis on le répartit ensuite entre les pays. Adapter. Oui, c'est ça. C'est ouais. On prend le truc global et puis après, en fonction des réductions de chaque pays, on fait. Ajuster finement les quotas de réduction d'émissions de GES en fonction des problématiques spécifiques à chaque pays. Est-ce que ça reflète ce que tu voulais dire ou pas? C'est pas exactement ça. Non, mais si, si ça va tout le monde, moi ça me va aussi. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on améliore dans ce qui existe? Parce que là, nous, tout ce qu'on énonce à la fin, c'est filtré. Et puis, au bout du compte, tout existe, en fait. Pendant les trois jours, tu as des discussions. Et tu as l'impression qu'à la fin, la discussion du premier jour, la phrase du dernier jour, elle est déjà écrite. Refonder la PAC. Il y a un D, là, qui s'est... Enfin, après, je sais pas, faudra peut-être voir l'orthographe. Là, il n'y a pas dans ton changement le fait que ce soit plus orienté vers les petits agriculteurs et pas forcément l'industrie. Enfin, c'était... Oui, dans les propositions. Ouais, mais dans le changement aussi, il faut que ça transparaisse. On remarque au fur et à mesure que le facilitateur avait pris le contrôle totalement de ce qu'on disait, il reformulait. Donc on se retrouvait pas totalement dans ce qu'il notait sur son ordinateur, alors que ça devait être notre voix qui devait être portée. Je voudrais pas mettre de panique, mais il faut aussi favoriser l'autonomie alimentaire du continent. Ce que me répondent tous les agriculteurs sur ce sujet-là en disant d'accord, comment tu vas faire quand on en sera à 3 tonnes d'hectare au lieu de 6 tonnes d'hectare. On se prend un petit café? Si tu veux, vas-y. Nous, on va continuer. Ouais, moi, je continue. On a fini par reprendre la main quand il a décidé de prendre une pause café. Donc, c'était assez, assez comique. Il vous reste combien de temps derrière? Je sais pas. Ceci, il vous reste 45 minutes. Enfin, faut formuler, quoi, là. Faut y aller. Il faut mettre l'accent sur, à petite échelle... Local, ou... il y a le mot local. Voilà, local, exactement. L'agriculture. Comme tu disais, moins industriel. Moins industriel. Allez, c'est parti. C'était beau de voir qu'on se battait pour réaliser l'exercice le mieux possible et que ce soit nous qui ayons le dernier mot. Moi, ce que j'interprète là, c'est l'extrême engagement des citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient à fond, mais vraiment à fond. Ils se prenaient au jeu. On ne pouvait plus les arrêter. Les pauses café, ils n'en voulaient plus. Ils disaient, c'est bon, on va sauter le déjeuner. Laisse-nous finir. Donc, évidemment, nous, on suivait en fait tout ce qui se passait en tournant entre les salles, en regardant un petit peu le comportement des uns et des autres. Si le groupe arrive à s'autoréguler, c'est parfait pour nous. Sous-tentait qu'ils respectent les règles du jeu. Alors, la première proposition qu'on a à faire, c'est redéfinir dans le cadre du libre-échange le respect de services régaliens. La deuxième proposition, c'est établir des règles relatives à l'écologie, règles de plaie, règles de pêche, etc. Dans le secteur d'éducation, favoriser l'étude des langues européennes, les échanges de classes avec les autres pays européens. Ok, merci beaucoup. Avec Kevin, on a des points de vue pas du tout pareils, mais par contre, j'ai besoin que Kevin soit là, parce que s'il n'y a que mon point de vue ou que le point de vue de Kevin, eh ben, ça ne peut pas marcher. Kevin, il existe, j'existe, il faut qu'on existe ensemble. Et c'est comment on va faire ensemble pour faire avancer ce truc-là. Ah là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Voilà. Il faut respecter la diversité de chacun. Il faut... Et c'est pour ça que si t'étais pas là, ça m'emmerderait. Il y aurait pas quelqu'un pour... J'ai bien fait d'accepter, alors. Bah ouais. Les cœurs qui volent.
Donc on propose de refonder la PAC. Refonder la PAC. En prenant en compte le bio, mais pas que le bio. Le bio et tout ce qui est compatible avec le réchauffement climatique, parce que le bio et le neutre en carbone, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Il faudrait une nouvelle, enfin une langue européenne. Alors la langue européenne, évidemment, la meilleure, ce serait le français, mais ça risque. Mais non, mais c'est vrai. Mais ça risque de surprendre, non, pas de surprendre, de choquer ou d'ennuyer. Alors, moi j'avais pensé à une langue qui n'appartient plus à personne, mais qui est quand même un héritage européen, c'est la langue latine, c'est le latin. Ça déchaîne un éclat de rire et une surprise. C'était un peu en décalage total avec ce qu'on pensait produire pour cette conférence, en fait. C'était un peu... je sais pas, peut-être archaïque. Alors ceux qui en ont fait m'ont dit, mais attends, tu es un peu bizarre, parce que déjà c'est pas commode, alors ça va être un capharnaüm, c'est le cas de le dire. Mais non, le latin peut être revisité, repris, simplifié, modernisé. Alors je sais pas vous, mais moi je parle pas latin. Mais pourquoi pas, toutes les idées sont bonnes à étudier. C'est le troisième jour. Les animateurs affichent toutes les idées de changement qui ont été émises. On va devoir voter pour nos propositions. Tout fonctionne comme attendu. Les propositions sont riches, sont concrètes. Donc c'est parfait. Ça va se passer comment sous forme de ensuite, c'est par SMS. Par SMS, ok. Donc il y a trois questions qui vous sont posées. Et donc vous envoyez un SMS par question. Il y a des bonnes idées quand même. Oui, mais il y a des propositions qui se regroupent. Exact, ouais. Même fois. Si les groupes n'avaient pas la même question, c'est voilà. Vrai que. Alors, un, centralisation de la prévention et de la gestion des risques. Oui, oui. Ça là ouais. Bah, ça c'est bon, ça c'est niette. Après, passer non, mais ça va de pas la tête. L'unanimité. Non, je... J'ai peur qu'on propose des changements qui soient, on veut la paix dans le monde par exemple, ou des choses qui soient tellement évidentes que notre voix, en fait, on aurait pu s'en passer. Après, le risque quand même, c'est en les forçant à faire l'écologie, les pousser hors de l'Europe. Bah, je pense que c'est justement le type de règle, enfin, d'espace où ce serait pertinent. Tu vois. T'as les deux penchants, parce que à vouloir imposer une règle sur l'écologie forte à quelqu'un et qu'il sorte de l'Europe, c'est-à-dire que là, tu perds tout contrôle sur sa gestion de l'écologie, mais et là, il peut... Sortir de l'Europe. Ouais, non, c'est pas dit, mais c'est... Il faut le garder en tête, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au vote sur les différents sujets. Peut-être pour vous remettre les idées en place, je vais vous relire une dernière fois l'ensemble des propositions. Proposition 35, encourager la coopération entre les acteurs économiques européens. 36, harmoniser le processus éducatif européen dès l'enfance. Proposition 42, refonder la PAC, la politique agricole commune, vers une agriculture plus qualitative, verte et résiliente au changement climatique. Proposition 43, réduire la production de déchets. Donc là, vous ouvrez votre SMS, vous avez tapé les numéros et on s'arrêtera là. Oui, des nombres. Est-ce que tout le monde a pu saisir? Ok, donc on va passer au résultat pour ensemble. Si la technique nous suit, la technique nous a à peu près suivi, j'espère. 17, 22, 11. C'est bon? J'envoie. Eh bien, je revois. La proposition qui arrive en tête, c'est une proposition autour de l'agriculture plus raisonnée et d'une réforme de la PAC. Cette proposition qui suppose de réintroduire les aides de maintien sur le bio, donc davantage de bio, mais aussi des mesures pour le respect du bien-être animal qui sont aussi dans des composantes de cette agriculture plus qualitative. Sur les changements que vous souhaitez voir mis en œuvre, celui qui a été le plus cité, pour moi, c'est le numéro 4. Donc, renforcer la crédibilité et la souveraineté de l'Europe à l'international. Je pense que ce qu'il faut retenir sur ce vote, c'est qu'il n'est pas exclusif. Je pense que c'est vraiment important.
C'est-à-dire que toutes ces propositions qui ont été faites vont remonter et vont être regardées. À la fin des conférences régionales, on a travaillé avec 80 à 50 citoyens. On sait qu'on va devoir faire la synthèse, en fait, une synthèse nationale et continuer l'exercice avec une conférence nationale. Et donc, on a décidé d'avoir 100 citoyens qui viennent à Paris. Il fallait les tirer au sort. 6 citoyens vont être tirés au sort dans chaque ville. Je stresse à fond. J'ai vraiment envie de continuer l'aventure. Donc il y a 6 urnes, les femmes de moins de 30 ans, les hommes de moins de 40 ans, les femmes entre 30 et 50, les hommes entre 40 et 50, les femmes plus de 50 ans, les hommes plus de 50 ans. Je vais vous demander s'il vous plaît de tirer un papier de chaque urne. De Anaïs. Aimé. Aimé. Oh. Élise. Élise. Pascal Tranobich. Monsieur Perrin Alan. Allez. Madame Bélia-Charazé. Merci madame d'avoir fait la main innocente. C'est le jeu. Déçu, non, parce qu'un tirage au sort, c'est un tirage au sort. J'aurais été tiré au sort, j'aurais été tiré au sort, il n'y a pas de problème. Après, je... Voilà. Allez, on y va. Romain Loubière. Excellent, super. Antoine Buffin. Quand j'ai été choisi, enfin, tiré au sort, un grand bonheur. Je me suis dit, ça, c'est bien. Je vais pouvoir faire passer un message, me retrouver avec toutes les provinces françaises et même les plus éloignées. Parce que j'estime que, justement, la France, c'est tout un ensemble qui, par sa diversité, par sa complémentarité, permet d'avoir un rôle, je dirais, mondial. Merci beaucoup. Merci pour votre implication. Merci d'avoir consacré 3 jours de votre temps à ces échanges qui seront... capitaux pour la construction de l'Europe de demain. Merci. On réussit notre défi. 515 changements, 1300 propositions qui ressortent, près de 800 citoyens réunis pendant 3 jours. C'était vraiment super. Je suis globalement assez impressionné de la pertinence des propositions qui ont émergé en fait. Des propositions qui, pour moi, me semblent très concrètes et viables aussi. C'est pas une utopie, pas tout. Le peu de solutions intéressantes que j'ai entendues, on sait très bien que ce sera jamais... Le dumping social, ils feront jamais rien contre le dumping social. Faut pas rêver, sinon ce serait déjà fait. S'ils étaient compétents et s'ils avaient envie de faire des choses, ça saurait, on l'aurait déjà vu. Et c'est l'inverse, c'est de pire en pire. C'est très enrichissant d'avoir pu discuter avec d'autres personnes que j'aurais jamais rencontrées. Dans la rue, c'est des gens à qui j'aurais même pas cherché à parler, quoi. Faut voir si ça porte ses fruits, s'il y a quelques mesures qui peuvent être prises par l'État. Maintenant, il faut aller au bout, il faut avoir des propositions précises. Il y a encore un entonnoir, un boulot de travail collectif. Et puis après, à nous de jouer, pour le coup, pour montrer à ceux qui ont pris du temps, qui ont donné du temps sur leur vie perso, sur leur vie professionnelle, qu'on a transformé l'essai, qu'on a fait quelque chose de leurs idées. On voit bien que c'est un coup de pub, un coup de com. C'est histoire de dire, regardez, le bon roi demande l'avis à son peuple. Laurent a plus d'expérience que moi. Mais moi, j'espère bien qu'ils vont tenir compte de nos idées à la fin. Le président s'y est quand même engagé. Mais bon, on a encore du travail. La prochaine étape, c'est à Paris, avec une centaine de Français de toutes les régions de France. Dommage que Kevin, Cynthia et Laurent ne puissent pas continuer l'aventure. Mais je me réjouis de rencontrer Romain, Antoine et les autres. Il paraît qu'il y aura aussi des Marseillais très chouettes. J'ai trop hâte. Le Quai d'Orsay, maman. Regarde les lustres, c'est vraiment ce que t'aimes. Regarde.
Tu as vu ça à la télé? Ben, je suis dans la télé.